Je m'appelle Karen Lagues, je suis un docent Franse taalkunde hier aan de Kaai Leuven et vandaag neem ik jullie mee op een les waarin we zullen zien hoe de Franse kinderen hun moedertaal verwerven. Hoe zullen zien hoe ze vorm en betekenis samen verwerven. Bonjour tout le monde. Bienvenue ici au cours de linguistique française. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours sur l'acquisition du langage et mon cours s'appelle L'acquisition du langage sous la loupe l'acquisition du langage c'est l'apprentissage de la langue maternelle par les enfants et aujourd'hui on va parler de l'acquisition en général et du français donc on va regarder les deux en général et en français l'acquisition du langage c'est un véritable miracle c'est un miracle pourquoi ben parce que les enfants apprennent à parler tout d'abord sans effort ils font ça comme ça sans apprentissage explicite, donc ils vont pas à l'école pour leur la langue maternelle et en général les parents ne donnent pas beaucoup de feedback sauf peut-être des corrections, mais ça ne vaut pas pour toutes les cultures. Ils apprennent aussi à parler en très peu de temps. Donc à un an par exemple, ils commencent à prononcer leurs premiers mots. À quatre ans, ils prononcent déjà des phrases presque comme des adultes. En outre, en outre. Il s'agit vraiment d'un miracle parce que tous les enfants, dans toutes les conditions, apprennent à parler. Donc, ils apprennent à parler de façon universelle, partout au monde. Comment maintenant expliquer l'acquisition, cette acquisition miraculeuse Et en fait, en science, en linguistique, on a réussi à déterminer deux facteurs, deux facteurs super importants. Deux facteurs importants. Le premier, c'est l'interaction sociale pendant les premières années de la vie, donc l'interaction en famille, surtout avec les parents, donc en fait l'interaction avec la société. En deuxième lieu, ce qu'on a pu vérifier, c'est que le langage se trouve quelque part dans le cerveau. Donc c'est la biologie aussi qui mène au développement du langage. Et là, on a identifié deux centres dans le cerveau, le centre l'air de Broca et le centre de Wernicke. C'est là surtout hein, que se trouve le langage dans le cerveau. Voilà. Donc, d'une part, l'interaction sociale, hein, donc la société. Qui stimule le développement du langage, d'autre part la biologie. L'enfant est né avec une, ce qu'on appelle une prédisposition, donc en fait une faculté du langage dans le cerveau. Dans ce cours, nous allons nous concentrer donc sur l'acquisition du français par les jeunes enfants. Et je vais immédiatement commencer par vous donner un exemple. Voilà, on écoute. Tout le monde rigole. Alors, notre... Ça C'est est parti pour le festival des chiens. Tu veux un autre livre Tu veux que j'aille t'en chercher un Non, c'est moi, tu vas en chercher un autre. Attention. Vous avez bien pu oh suivre Donc en fait ici, il s'agissait d'une petite interaction entre la maman et l'enfant. Hein, L'adulte commence par dire ⁇ Tout le monde rigole ⁇ il y a des chiens qui aboient. L'enfant dit ⁇ Veux un autre ⁇ il laisse tomber le jeu. Hein. L'adulte dit ⁇ ça y est, on est parti pour le festival des chiens, donc comment sur l'aboiement, hein, donc sur le bruit des chiens, l'adulte dit « Tu veux un autre livre Tu veux que j'aille cher t'en chercher un ?» Et l'enfant répond « Non, c'est moi qui vais chercher un autre. » Donc cet enfant, c'est Anaé. Anaé a deux ans et deux mois. Donc « deux, deux » là en bas, ça veut dire deux ans et deux mois. Et dans ce cours-ci, nous allons regarder sous la loupe cette phrase. Non, c'est moi qui va chercher un autre. Et ces phrases, on les appelle les phrases clivées, phrases clivées ou phrases coupées, parce qu'en fait, on coupe la phrase "je vais chercher un autre" en deux morceaux. C'est moi qui vais chercher ou qui va chercher un autre. Donc, on appelle ça les phrases clivées. Et si l'on note ces phrases de façon schématique, on a c'est X, ici c'est moi, et ensuite une phrase en qui, et quelques autres éléments. Continuons. Je vous ai déjà dit que l'acquisition du langage, c'est un miracle. Eh bien, les phrases clivées, elles aussi, elles constituent vraiment un miracle. Pourquoi Est-ce que vous avez une idée Non Eh ben, je commence. Pourquoi donc les phrases clivées constituent-elles un véritable miracle dans l'acquisition du langage ben, tout d'abord, je vous ai déjà expliqué qu'une phrase clivée, c'est donc une phrase normale coupée en deux. Donc c'est une forme qui est plus complexe qui est donc plus difficile Hein, plus abstrait aussi, parce qu'il y a une phrase subordonnée, une phrase enchâssée, hein, qu'on insère dans une autre phrase. Donc, la phrase prononcée par Anaé est beaucoup plus complexe que la phrase de base je vais chercher un autre. Première raison. La deuxième raison, c'est que cette phrase a un but communicatif spécifique, très spécifique, en fait, lequel, hein, vous le voyez déjà, en fait, grâce à cette phrase, l'enfant peut établir, hein, peut, peut inventer, peut montrer un contraste entre lui-même, moi, hein, et la maman qui vient de parler juste avant. Donc il y a un contraste entre c'est moi, hein, donc l'enfant qui parle, et la maman qui dit j'aille, hein, je vais, hein, subjonctif, t'en chercher un. Donc le but communicatif très spécifique ici de cette phrase que l'enfant maîtrise déjà, que, que l'enfant connaît déjà à deux ans et deux mois, c'est que ces phrases servent hein, à exprimer un contraste. Au début, on voit, et je vais vous en parler, que c'est très souvent un contraste entre l'enfant et un adulte. Troisième raison, un hein, troisième explication hein, qui pour le fait que ces phrases soient vraiment un miracle c'est que cette phrase apparaît déjà à deux ans et deux mois. Et c'est un an, donc une année, douze mois environ, après l'apparition des premiers mots. Donc en fait, en une année, l'enfant, il est déjà capable de prononcer une phrase qui est très difficile. Une phrase coupée en deux, c'est en fait une combinaison de deux phrases. Il sait que ces phrases ont un but communicatif l'expression du contraste spécifique. Il fait ça vraiment, il est très jeune. Hein? Cette petite fille, elle est très jeune. Elle prononce déjà une phrase aussi difficile. Donc, quelles sont nos questions de recherche hein? Qu'est-ce qu'on veut examiner En science, on a toujours une question de recherche qu'on pose au début. Et ensuite, on essaie de chercher les moyens pour répondre à cette question. Tout d'abord, c'est très évident. Comment est-ce que les clivés sont acquises par les enfants français Quelles sont donc les petites étapes dans le développement de la clivée okay. Par où est-ce que les enfants commencent Quels sont les mots qu'ils utilisent d'abord okay. Première question de recherche. La deuxième question, c'est quel est le lien avec l'acquisition du langage en général avec le développement du langage en général, mais aussi avec le développement de la communication. Parce que bien sûr, le langage, ça fait partie de la communication. La communication, ça fait partie de la psychologie, en fait. Okay. Donc, quelle est la structure hein, de, du cours qui va suivre ben, Tout d'abord, je vais vous donner une introduction assez rapide et générale sur l'acquisition du langage et le développement de la communication. Première section. Deuxième section, hein, nous allons vraiment nous concentrer sur l'acquisition de ces phrases clivées, hein, ces phrases coupées, ces phrases qui apparaissent sous la forme CX-QUI. Hein, et on va voir d'abord la méthodologie, la façon hein, de répondre à notre question de recherche et bien sûr aussi les résultats. Ensuite, on passe par la conclusion par une question d'examen, et je vous donne aussi la bibliographie où je cite bien sûr les sources que j'ai utilisées. Commençons par la première section, le langage et la communication, hein, donc l'acquisition du langage en général. Comment est-ce que cela se passe hein? Cela nous paraît si naturel, si évident, cela se fait si rapidement hein, qu'on veut bien vraiment voir comment ça se passe. Commençons par la première étape. La première année de la vie d'un enfant, bien sûr, vous savez tous que les bébés commencent à pleurer. Hein. Ensuite, il y a des cris, des pleurs, donc, aussi des syllabes hein, qu'ils prononcent, bababa, ba", par exemple. Hein. L'enfant, il, 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 il fait des exercices hein, de prononciation. Hein. Il commence à prononcer des syllabes. Toute première étape. Bien sûr, cela va de pair avec la communication non verbale. L'enfant et les parents ou les adultes hein, s'échangent des regards, hein, on les regarde, on se regarde, hein, et un petit peu plus tard aussi des sourires. Donc en fait c'est la première forme de contact qui s'établit entre un bébé et les parents, entre le bébé et la société, hein, bien sûr. Ce qui est aussi très important, et c'est une notion qui apparaît aussi en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. Donc l'attention que l'enfant porte avec l'adulte, hein, mais ils le font vraiment ensemble. Donc c'est le fait de regarder ensemble hein, le même objet qui ne concerne pas l'enfant, qui ne concerne pas non plus l'adulte. Hein, ils font ça au même moment. Okay, et en plus, ils partagent cette interaction. Donc il s'agit vraiment d'une interaction. Okay. C'est une étape super importante pour l'acquisition de la communication en général. C'est aussi une étape super importante pour l'acquisition du langage en général. Le fait de pouvoir parler d'un objet qui se trouve en dehors du couple entre l'enfant et le parent, ça c'est vraiment une étape super importante. Deuxième étape, en fait vers 12 mois environ, les enfants, hein, les bébés encore, commencent déjà à prononcer leur premier mot. et un mot c'est quoi? Un mot en fait c'est un mariage, hein, c'est une, une alliance, c'est une relation entre des sons et une signification, une signification, un sens. Okay Alors que "ba ba n'a pas de sens, bien sûr chat a un sens. Et l'enfant se rend compte hein, il, il, il euh, comprend ce sens. Les enfants commencent par des substantifs, hein, donc comme maman, comme chat. Dans 80% des cas, ce sont donc des substantifs. En plus, il y a aussi des pronoms, surtout moi et toi, bien sûr. Ça aussi, quand il désigne quelque chose. Et les adverbes comme là et non. Okay? Par exemple, hein, je vous ai donné un exemple sur la diapo. Hein? L'enfant, un enfant qui tient une petite pièce ronde en plastique dans ses mains, il cherche un endroit où mettre cette pièce. Et l'enfant dit sou, hein? sou, euh, une pièce d'argent. Okay? L'adulte dit tu donnes à qui le sou Et l'enfant répond vache. Bien sûr, il veut dire je donne le sou à la vache. Il exprime toute cette signification par un seul mot vache. Okay? Ce qui est hyper important aussi. Environ à 12 mois, c'est le pointage. Donc, le fait de désigner euh, quelque chose par la main. Donc, entre-temps, à 12 mois, les bébés se mettent debout, les mains sont libérées, ils commencent à utiliser leurs mains pour communiquer, pour pointer, comme je l'avais déjà dit, des objets qui ne se trouvent pas entre le couple enfant-adulte. Ok, le pointage c'est donc en fait un geste, hein, un mouvement du corps qui s'associe avec une signification. Tout comme le mot, c'est un son et une signification. Donc en fait, qu'est-ce que l'enfant veut dire Bien sûr, regarde maman, regarde papa, je vois quelque chose qui se trouve là. Ok. Ça aussi, c'est une étape importante, très importante dans l'acquisition du langage, de la communication en général. Ok. Ensuite, on a encore deux autres étapes. Environ à 18 mois, l'enfant dispose d'une base de 50 mots déjà. Et après, immédiatement après, il y a vraiment une explosion du vocabulaire, une explosion lexicale. L'enfant apprend énormément de nouveaux mots. Bien sûr, le rythme de l'apprentissage, ça dépend de l'interaction avec les adultes, de l'input qu'il reçoit dans la société, dans la famille, pour ainsi dire. À 21 mois, et ça c'est aussi très important, c'est que les premières combinaisons de mots apparaissent. Donc en fait, les premières phrases toutes petites. Okay, l'enfant pose aussi des questions. Comme on l'a déjà vu, dans ces petites phrases, l'enfant laisse tomber par, parfois, par exemple, je, te, le, donc les petits mots. Okay, et souvent, il ne conjugue pas non plus euh, le verbe. Okay, donc c'est l'infinitif qui apparaît, donc la forme de base du verbe. Par exemple, il va dire prendre sucre cuillé juste pour dire moi je prends le sucre avec le cuillé. Okay? Donc en fait, ici, il conjugue pas le verbe. Ensuite, il y a de nouveau une explosion lexicale. L'enfant va apprendre par exemple des prépositions et de nouveaux verbes, de nouveaux adjectifs. Dans l'exemple que je vous donne là, hein, les belles saucisses, l'enfant dit chi, c'est l'enfant donne. Maman dit je te l'ai donné. Papa dit... Maman te l'a donné, ouais, et l'enfant dit pour papa. Pour, c'est une préposition, donc l'enfant apprend cela juste avant son deuxième anniversaire. À son deuxième anniversaire, il prononce des phrases plus complexes, et à quatre ans, il prononce des phrases presque hein, comme les adultes. Donc, en fait, maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit que l'acquisition du langage, c'est vraiment un miracle. Hein. À un an, l'enfant commence à prononcer tout doucement ses premiers mots. À quatre ans, il prononce des phrases plus ou moins comme des adultes. Donc, c'est vraiment un miracle. C'est le miracle de l'acquisition du langage. Maintenant, dans cette deuxième partie, hein, donc je viens de vous donner une impression générale de l'acquisition du langage et des moments très importants dans la communication. Ça, c'est vraiment une vue très générale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va, prendre, on va prendre notre loupe et on va regarder plus en détail ces clivés en français. Donc ces phrases comme ces phrases que vous avez déjà vues dans cette première vidéo, c'est moi qui va et ainsi de suite. Une phrase clivée, donc une phrase coupée en deux. Qu'est-ce qui se passe avec ces phrases Pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes Ça aussi, c'est une deuxième question. Voilà. Donc on commence comme toujours hein, en science, la linguistique c'est la, la science du langage, on commence par expliciter, par rendre explicite, par euh, décrire notre méthodologie. La méthodologie c'est la façon de travailler. Okay? Donc notre but c'est d'étudier le développement des clivés en français, c'est-à-dire les étapes dans l'acquisition de ces clivés. Comment va-t-on le faire Quelle est notre méthodologie ben, Bien sûr, on a besoin d'exemples. Hein. Donc, on va chercher des exemples comme l'exemple d'Anaï que vous avez déjà regardé. Hein. Comment va-t-on le faire ben, Sur Internet, il existe des banques de données hein, et ces banques de données euh, contiennent des vidéos et des transcriptions. Donc, des vidéos. Hein, d'interaction entre un adulte et un petit enfant, aussi des transcriptions hein, de l'interaction. Donc, en fait, le, on a tapé juste le contenu de ces conversations. Ça, c'est la première étape. Il faut bien sûr chercher des données. Il faut les mettre dans une base de données. Hein, il faut arriver à chercher dans ces bases de données. Deuxième étape, bien sûr, on veut les analyser. Okay Donc, on veut dire, on veut déterminer les propriétés de ces clivés. On veut dire, on veut les classer dans des classes. On veut voir euh, est-ce que c'est une clivée plus courte ou plus longue. Quel est le sens, par exemple. Donc, dans, pour l'analyse, on va mettre chacun de ces exemples avec un contexte avant et après dans un fichier Excel ou une autre base de données. Et on va utiliser des colonnes pour les critères. Voilà. Quelles sont donc ensuite les banques de données dont on dispose Ici, je vous en montre deux en fait. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le TCOF. Le TCOF, c'est un corpus spécial hein, parce que on a par exemple dans une crèche ou dans un labo enregistré tout un groupe d'enfants à deux, trois, quatre moments différents. OK Donc il s'agit de beaucoup d'enfants qui ont été enregistrés à quelques moments seulement. OK Dans ce cas-là, il s'agit d'une conversation entre l'enfant et le chercheur. Donc on l'a fait euh, par exemple dans les crèches euh, ou dans les labos, dans les écoles aussi de temps à autre. Dans ce corpus, les enfants ont entre deux et trois ans. On a enregistré 39 enfants et on a trouvé 43 clivés. C'est pas beaucoup parce que bien sûr, on ne regarde pas, on n'a pas de vision euh, à longue, de longue durée. Okay. Ensuite, on a un deuxième corpus qui s'appelle le corpus de Lyon, où on a peu d'enfants, seulement trois, mais ces enfants ont été enregistrés toutes les deux semaines pendant des heures. Okay. Ici, il s'agissait de conversations entre l'enfant et un membre de la famille, en général la maman ou le papa. Okay. Les enfants ici sont aussi plus jeunes, on commence à un an et demi jusqu'à trois ans. Ici, on a trouvé 252 clivés. Donc ici, le corpus de travail, donc le nombre de clivés, de phrases pertinentes qu'on a trouvées est beaucoup plus large. Okay. Je vous montre ici, hein, à titre d'information, le fichier Excel. Hein, donc vous voyez tout d'abord dans la première euh, colonne, le dossier, c'est le corpus. Deuxième colonne, l'enfant. Par exemple, ici, on a Anaïs. Ensuite, on a large. Le fichier, c'est l'endroit dans la base de données où on peut trouver l'exemple. Et la ligne, la même chose. Répétition, c'est pour indiquer si l'enfant répète ce que la maman, par exemple, a dit. C'est important parce que les enfants commencent à prononcer les phrases en répétant ce qu'ils viennent d'entendre. Et ensuite, on a un exemple avec le contexte gauche et droite. Par exemple, pour regarder s'il y a vraiment un contraste, hein, comme je viens de vous annoncer. Dans la deuxième partie du fichier Excel, et c'est ce que vous voyez maintenant, on a les critères d'analyse. Je vais immédiatement vous en parler. Donc, on a des colonnes qui correspondent à ce qu'on veut examiner et on utilise des valeurs, par exemple 1 ou 0, ou bien une autre étiquette hein, qui nous permet de classer ce qu'on constate, ce qu'on observe. OK? Qu'est-ce que nous avons trouvé hein? Quels sont les résultats de cette étude sur les clivés en français, hein? parmi des clivés qui ont donc été prononcés par des enfants très très jeunes, à partir d'un an et demi Mais nous avons trouvé qu'il y a quatre étapes, quatre étapes dans l'acquisition des clivés, et je vais vous les montrer. Okay? Donc, on va parcourir maintenant les quatre étapes dans l'acquisition des clivés. Tout d'abord, et vous voyez en haut de la diapo, de la diapositive, qu'on a un cas que j'appelle C ⁇ pointage, le pointage plus X. On ne considère cela pas comme déclivé. Okay Je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout cela en détail. Hein Mais euh, ces structures apparaissent environ à un an, et, euh, donc la pendant la la, la, juste après le premier anniversaire. Ces phrases n'ont pas de but contrastif. Et je vous montre immédiatement un exemple, donc peut-être que vous entendez pas bien. La maman dit un ah, c'est quelle couleur, ça, Nathan Et Nathan, il répond c'est caca. Donc en fait, il veut dire ça, c'est du caca. Ok Donc il n'y a pas de contraste euh, particulier, hein? mais il, il utilise c'est pour vraiment désigner quelque chose. Ça, c'est le pointage dont j'ai déjà parlé. On écoute. Hein, c'est quelle couleur, ça, Nathan C'est caca. Vous voyez Donc en fait, il n'utilise pas, il ne pointe pas, mais il utilise son regard. Il regarde ce qui tient dans sa main. Okay Donc en fait, c'est ici le pointage qu'il fait grâce à « c ». Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle des clivés réduites. On a uniquement « c » plus un élément, un élément « x ». Donc sans la phrase qui est introduite par « qui okay ». On appelle cela des clivés réduites. Elles apparaissent environ à deux ans, donc un petit peu plus tard que les phrases que je viens de vous montrer. Et le but ici, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment d'indiquer un contraste très souvent entre l'enfant lui-même et le parent. Donc ici, j'ai pas de vidéo, mais cette phrase, c'est contexte, c'est la maman qui dit :« Mais oui, c'est très bien, tu l'as coupé en deux. Et après, on va remettre par-dessus. » L'enfant dit :« Non, c'est Nathan. » Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire C'est Nathan. Hein, qui va le faire C'est moi qui vais le faire. OK si vous voyez de nouveau un contraste entre Nathan et le « on hein. ». Vous savez que « on », en français parlé, ça veut dire « nous ». OK Donc, il y a de nouveau ce contraste. Troisième étape. Troisième étape, on a de nouveau un cas où « c » ne veut pas, n'indique pas de pointage. Mais donc, on a « c » plus « x » plus un élément que j'appelle « y ». Mais pas de phrase introduite par « qui ». OK ces phrases apparaissent encore un tout petit peu plus tard. Donc l'élément Y, ce n'est pas, pas une phrase qui est introduite par qui, mais cela remplace la phrase qui est introduite par qui. Okay. Donc par exemple, dans l'exemple que je vais vous montrer, hein, l'enfant dit ⁇ Maman fait ⁇ La fille est en train d'essayer quelque chose. Maman dit ⁇ Voilà ⁇ Et ensuite, l'enfant répète ⁇ Ah, c'est moi fait ⁇ Comme ça, maman dit ⁇ Oui ⁇ Marie elle vient d'avoir deux ans et prononce déjà ça. On écoute. Maman fait. Voilà. Maman fait. Donc ça, oui. Voilà. À deux ans, hein, elle prononce déjà une phrase comme c'est moi fait. Donc vous voyez ici qu'il y a de nouveau ces deux parties, c'est moi. Effet qui remplace, bien sûr, c'est moi qui veux le faire, quelque chose comme ça, ou qui hein, euh, les fait. Quels sont les types de Y hein? Donc, en fait, dans nos données, dans notre fichier Excel, hein, avec toutes enfin, les, les phrases clivées, les 300 types de phrases clivées, des trois enfants, Anaïs, Marie et Nathan, on a constaté que les enfants commencent par euh, prononcer X plus un mot. Donc un mot Y. Par exemple, c'est ça, enfermé. C'est Marie avoir. Le deuxième exemple, dans la première colonne. Ensuite, le troisième exemple, dans la première colonne, c'est moi, essuyer. Okay. Vous voyez que les enfants, hein, l'âge n'est hein, pas le même. Okay. Mais en fait, c'est la même structure. C'est X plus Y. Y, c'est un mot isolé. Okay. En général, c'est un infinitif, hein, donc une forme du verbe, ou bien un adjectif verbal. Okay. Enfermé. Deuxième étape ici, on voit qu'ensuite qu il y a des groupes de mots qui apparaissent. Donc, ça, c'est la deuxième colonne. Okay. On a par exemple c'est moi, donne à clouer. Okay. C'est maman, met la poche. Bien sûr, il n'y a pas de qui, hein. c'est pas maman qui met la poche. C'est moi, fais le tour. Okay. Donc, c'est un groupe de mots. Un groupe de mots sans qui, okay. une phrase qui n'est pas complète. Okay. Troisième étape, troisième colonne, on a une phrase complète mais sans qui. Donc en fait, au lieu d'insérer une phrase avec qui, l'enfant prend juste deux phrases, il les met ensemble. Okay. Qu'est-ce qu'on a C'est ça, c'est hein. Deuxième exemple, c'est ça, on montre. Troisième exemple, c'est tigrou, il n'est pas content. Okay. Ça, c'est une troisième étape dans le développement, dans l'acquisition des clivés. Ensuite, dernière étape. Hein, donc, en fait, de nouveau, c'est un cas où on n'a pas de pointage. Hein, donc, on n'a pas de pointage de C. Ensuite, on a X. Et ici, on a une phrase en qui. Ça apparaît environ à deux ans et six mois. Et c'est donc déjà cette phrase qui, qui, qui est tout à fait, comme on dit en anglais, adult-like. Hein. Ce sont donc des phrases qui ont exactement la même forme que les phrases prononcées par les adultes. Donc ici, on retrouve l'exemple par lequel j'ai commencé. Hein. Tu veux un autre livre Tu veux que j'aille t'en chercher un Et l'enfant dit non, c'est moi qui va chercher un autre. Hein. Moi qui exprime un contraste avec la maman. Voilà. On passe maintenant à la conclusion. Hein? Donc, on vient, qu'est-ce qu'on a fait On vient hein, de regarder en détail les clivés. Donc, on a regardé les différentes étapes. Okay. Ensuite, hein, on a déterminé les différents types de Y. Hein, donc, c'est X plus Y. Hein, et on a fait cela parce qu'on voulait comprendre l'acquisition des clivés Hein, par rapport à l'acquisition du langage en général. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Hein, donc, on a vu qu'on a d'abord une structure où le « c » est utilisé pour pointer. Hein, donc, c'est « ce » plus « pointage » plus « et ». C'est un sens concret. On appelle ça un sens référentiel. Okay. Donc, le « ce » est utilisé pour renvoyer, pour pointer vers quelque chose dans la réalité. Okay. Première étape. Ensuite, on a vu qu'on a de nouveau toujours la même structure, la même forme, mais sans le pointage. Hein? Donc quand on dit c'est Nathan, c'est pas ça c'est Nathan, non, il répond juste à la question. Okay? Donc le ce hein, devient plus abstrait, on perd la référence à un objet extérieur, externe, hein, qui ne se trouve pas dans la communication. Okay, donc il n'y a pas de pointage. Ensuite, hein, on a ces clivés, donc sans un autre élément, sans un élément, sans élément Y. Et ensuite, il y a la dernière partie de la clivée qui commence à se développer. Hein. On a d'abord un mot isolé, hein, comme j'ai montré, surtout des infinitifs et des adjectifs. Hein. Ensuite, on a un groupe de mots sans qui. Hein? et ensuite, on a une phrase en qui qui est vraiment comme une phrase qui est prononcée par les adultes. Mais donc on voit donc qu'il y a deux grandes tendances dans le développement des clivés. Tout d'abord, première grande évolution concerne le sens, la signification. Donc on va du pointage vers le sens plus abstrait. Donc le sens plus abstrait, un sens aussi plus difficile pour les enfants. Okay, quand on désigne quelque chose dans la réalité, c'est très, très concret. Hein. Quand on perd cette nuance de pointage, ça devient plus abstrait. Okay. Donc c'est une évolution qu'on appelle sémantique. Okay. C'est le sens, la signification qui change. Ensuite, on a une deuxième évolution qui se trouve à un autre niveau. C'est une évolution en ce qui concerne la forme, hein, la forme de la clivée. D'abord, on n'a pas d'autres éléments. Ensuite, on a un mot isolé. Et ensuite, on a un groupe de mots sans qui, et ensuite une véritable phrase en qui. Okay. Donc ici, on a la forme qui devient de plus en plus complexe, qui devient aussi de plus en plus difficile. Okay. Et tout à fait au début, je vous ai dit que l'acquisition du langage, c'est un miracle. Ça vaut donc pour l'acquisition du langage. En général, mais ça vaut aussi pour cette petite structure qu'on vient de regarder sous la loupe, hein, qui est l'exemple des clivés en français. Quand on regarde ça sous la loupe, on retrouve tout d'abord les mêmes tendances, hein, d'abord le pointage par exemple, on retrouve deux évolutions, une évolution au niveau du sens, une évolution au niveau de la forme. Donc c'est ça vraiment le miracle de l'acquisition des clivés on a donc le sens qui devient de plus en plus complexe okay. on a aussi la forme qui devient de plus en plus complexe mais le but communicatif hein, la fonction reste la même les enfants continuent à utiliser l'éclivé pour exprimer un contraste un contraste tout d'abord entre l'enfant lui-même et l'adulte plus tard aussi entre deux objets dans la réalité, par exemple, ou entre deux personnes, hein, entre les parents, très souvent. Pourquoi hein, Pourquoi est-ce qu'on a cette évolution hein, dans le sens, cette évolution dans la forme, mais pas cette évolution dans le but communicatif Donc, les premières clivées sont exprimées avec la même fonction hein, que celles qui sont exprimées par les adultes. Ben, L'hypothèse ici, et c'est très général, c'est très normal en science de terminer hein, une présentation ou un cours par une nouvelle question de recherche. Hein, c'est ce que je fais aussi. Donc, l'hypothèse, hein, une idée, c'est que l'enfant a besoin d'exprimer le contraste dès le début, presque dès la naissance. Il fait d'abord avec les sons, ensuite avec les mots et les phrases. Okay. Comment va-t-on va examiner cela Comment va-t-on va déterminer si j'ai raison, hein, si mon hypothèse est correcte okay. Il y a maintenant des analyses en neurolinguistique, hein, donc on utilise des, des images du cerveau en fonction hein, pour regarder ce qui se passe dans le cerveau quand les enfants entendent une phrase contrastive, par exemple. Et les résultats semblent prometteurs. Ok, je vous invite à venir euh, écouter plus tard pour euh, la réponse quand la science évolue. Ok. Que pourrait être maintenant une question d'examen ici concernant ce cours Tout d'abord, je pourrais vous poser des questions euh, théoriques, par exemple, juste de reproduire euh, les étapes dans l'acquisition des cliviers en français, donc les quatre étapes, et d'illustrer euh, par un exemple. Ça, c'est une question théorique. Une autre question que je pourrais vous poser, c'est, je pourrais vous donner euh, le fichier Excel, comme je viens de vous le montrer Hein, avec les exemples d'Anaïs et je pourrais vous demander de déterminer à quelle étape cet exemple appartient. Donc est-ce qu'il s'agit d'un cas de pointage oui ou non Est-ce qu'il s'agit d'un cas de CX oui ou non Quel est s'il y a encore un autre élément Quel est le type de Y OK, ça serait une question d'application que vous pourriez faire sur la base du fichier Excel que j'ai mis euh, dans les diapos. Ensuite, je vous donne encore la bibliographie. Je vous ai déjà parlé de la méthodologie, hein, le fait de chercher des exemples, de les mettre dans une base de données, de, de les analyser, souvent dans Excel. Et j'ai pas encore parlé de l'analyse statistique qu'on fait après. Hein. Un autre élément important de la méthodologie, c'est la bibliographie. Pourquoi Est-ce qu'il faut toujours mentionner les sources ben Ici, je vous montre d'abord la source, hein, les sources des deux corpus que j'ai utilisé, le corpus de Lyon et le corpus de Paris, ce sont donc les corpus que j'ai utilisés pour les vidéos et pour les exemples. Pourquoi est-ce que je les mentionne ici Parce que comme ça, en fait, je reconnais hein, le travail que les auteurs ont fait. Okay? Donc les auteurs qui ont, fait pas mal de, qui ont passé pas mal de temps à mettre ces données dans une base de données, ben, ils doivent avoir, recevoir quelque part de la reconnaissance de nous, les chercheurs. Et ensuite, je vous montre la bibliographie des autres ouvrages. Donc, ce sont des ouvrages des personnes dont j'ai mentionné les idées. Okay en science, il est normal hein, de lire quelque chose de quelqu'un d'autre, d'utiliser cette idée, d'essayer d'aller plus loin ou bien de rejeter cette idée. C'est tout à fait normal. Hein C'est une action, une réaction, à condition de toujours mentionner les sources. Okay C'est ce que je fais ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous aurez aimé ce cours sur l'acquisition du langage. Merci beaucoup.